Le coup de marteau. Hop, Didier, bonjour. Est-ce que tu Ah ben ça y est, ça marche. Ah ben super, on est en direct, c'est la fin, c'est le début, c'est le début du week-end, tout va bien. J'en avais même oublié le jingle, vois-tu, je me fais gronder par mon régisseur qui me dit tu as encore oublié le jingle, mais c'est pas grave, Didier Mesto, c'est un jingle à lui tout seul. Didier, bonjour, comment ça va ? Ça va Nico, tu vois, j'ai fait une petite pause sur les réseaux, j'ai supprimé mon compte Twitter. Ça y est. Voilà, de façon temporaire, parce que... Ouais. D'ailleurs, ce que vient de dire Olivier Michel qui vient de passer, c'est vrai que tout est hystérisé, on est dans la haine absolue. Donc, je pense que par moment, à certains moments, pour faire. Ce matin, on a eu une interview d'un machin qui a beaucoup fait réagir ce matin de David Mansour sur le conflit israélo-palestinien. Et comme toi, tu vois, ça a beaucoup fait réagir cette interview. Mais bon. C'est aussi ce que je disais, Didier, avant de passer à ta chronique, c'est le débat, c'est qu'on peut écouter des voix dont on n'est pas d'accord. Mais moi, j'ai toujours, comme tu le sais, été à fond pour le débat, mais il arrive un moment où on est tellement dans la passion que toute petite parole raisonnable qui est un peu, je ne dis pas la voix de la sagesse, mais qui donne juste à expliquer le conflit sous tous ses aspects, mais n'est plus entendue. Et là, on est sommé de choisir un camp. Et de tuer numériquement, digitalement, et même ça va plus loin, le camp adverse. Et bon, donc là, je fais ce petit pas de côté, et puis j'attends que ça se calme un petit peu, si ça se calme, et puis on verra, je reviendrai, je ne commenterai plus les partis politiques. Voilà, je suis d'accord avec toi, sur ce conflit-là, on est arrivé à une hystérisation. Incroyable. Qui est en France absolument dingue. On l'a vu ce matin dans l'interview. Vraiment, moi, je comprends qu'on ne soit pas d'accord. Mais bon, nous, notre boulot, on n'est pas là pour faire la propagande ni rien. On est là pour donner la voix. Après, on peut être d'accord ou pas d'accord. Il n'est pas question de faire la propagande. Nous en sommes victimes de la propagande de toi, Didier, et moi, depuis très longtemps. Ce n'est pas pour, du moins, aller la faire dans les médias avec lesquels nous collaborons, chers amis. Allez, on passe à ta chronique, on finit en chanson. Allez, c'est parti. Ce matin, on parle de quoi, mon cher Didier ? On parle musique. Allons, parlons musique. Allez, on va un peu changer les esprits, les idées. Si je te chante. Born in the USA. Bon, là, c'est The Boss, t'as reconnu. La chanson de Bruce Springsteen, bien sûr. Eh ouais, The Boss. La chanson la plus connue, hein, certainement, de Bruce Springsteen, qui est parue en 84, hein, sur l'album éponyme, Born in the USA. En fait, cette chanson, elle avait d'abord été écrite pour un film en 81. C'était Paul Schrader, le cinéaste, qui envisageait de faire jouer Springsteen en tant qu'acteur hein, dans ce film. Et donc, en fait, cette chanson, elle évoque le retour au pays, aux États-Unis, d'un vétéran de la guerre du Vietnam et le rejet absolu qu'il subit de la part de ses concitoyens. Donc, elle était en partie un hommage à des amis de Springsteen hein, qui avaient eux-mêmes vécu la guerre au Vietnam et dont certains ne sont jamais revenus, et notamment son batteur Bart Haynes, qui était le batteur de son premier groupe, qui est mort au Vietnam en 67. Et il faut savoir que Springsteen a été réformé, lui, à 19 ans, suite à un grave accident de moto, et que donc il n'a pas pu partir à la guerre. Et cette chanson, elle était aussi inspirée par une rencontre avec l'ancien vétéran, un militant pacifiste bien connu, Ron Kovich, à l'issue de laquelle il rencontre lui-même, Springsteen, tout un groupe de vétérans de la guerre du Vietnam, et tout ça pour illustrer les difficultés énormes auxquelles sont confrontés beaucoup d'anciens combattants, en fait, en relais, qui sont sans abri, qui deviennent toxicos, qui ont des stress post-traumatiques, etc., qui sont des héros d'un jour, et puis après qu'on oublie. Alors, l'histoire de cette chanson, elle est particulière, elle est intéressante, c'est un hymne pacifiste, c'est la chanson la plus mal comprise, en fait, de l'histoire du rock, parce que à l'époque, quand il a chanté, il était assez musclé, c'était un peu le mal alpha, Bruce Springsteen, et on l'entendait comme ça, « Oh, on est le USA !» Et tout le monde disait, c'est un hymne au patriotisme américain, et en fait, pas du tout. Hein. C'est montrer un peu ce qu'est l'autre côté du miroir des États-Unis. Et d'ailleurs, cette chanson, elle a été exploitée par les républicains, j'allais dire sans honte, Bruce Springsteen a été souvent blessé par ça, hein, de Ronald Reagan, George W. Bush, ils ont tous pris ça pour leur campagne, alors que lui-même s'est plutôt engagé toujours pour le camp démocrate et notamment pour John Kerry. Et donc, comble de l'ironie, cette chanson, elle a été aussi
qui critique les exactions de l'armée américaine en temps de guerre, elle a été utilisée comme outil de torture, tiens-toi bien, sur les prisonniers de Guantanamo, et on leur passait dans le casque toute la journée, Born in the USA. C'est pas tout, c'est qu'un détournement, un des détournements les plus tristement célèbres de cette chanson, c'était le 6 avril 2006, en plein procès, nos auditeurs s'en souviendra, de Zacharias Moussaoui, qui avait été accusé de complicité et de participation aux attentats du 11 septembre 2001. Après la présentation d'images des victimes de l'attentat se jetant dans le vide, on a tous ces images terribles à l'esprit, il entonne « Burn in the USA », pas « Born », mais « Burn in the USA », brûle aux États-Unis sur l'air du refrain de la chanson. Alors évidemment, eu égard à ce qu'on a dit en préambule, mon cher Nico, à l'horreur de la guerre entre le Hamas et Israël, les commentaires les plus sordides, les plus délirants, les plus hystériques qu'elle suscite, notamment en France, j'ai imaginé ce petit texte en vers pour conclure, et nos auditeurs en ont désormais l'habitude, justement, à partir de cette chanson. Tous ces hommes qui sont sur les plateaux, ces bellicistes de salon, allez à la guerre, vive la guerre, vive la guerre, vive la guerre, mais qui, eux, restent le cul sur leur chaise, bien tranquille, entre deux verres de Coca-Cola. Alors, c'est certain, quelle connerie la guerre. Fantaisie, fantaisie militaire. Au combat vaillant, loin de chez eux, ils tombent, tandis que les belliqueux de plateau TV exigent du sang, mais jamais celui de leurs enfants. Planqués, ils n'ont pas fait leur service, mais ils rêvent d'infliger des sévices. Qui aux Russes et qui à l'Ukrainien, qui aux Juifs, qui aux Palestiniens. Demain, ils pourront changer d'avis, de patron, ce n'est pas un souci. Au mieux, un bouquet de chrysanthèmes avant de lancer un anathème, contredisant celui de la veille, vif saumon remontant vers l'oseille. Ah, c'est certain, quelle connerie la guerre. Fantaisie, fantaisie militaire. Quand le soldat retrouvera les siens, s'il a cette chance et s'il en revient, une heure durant sera un héros, légion d'honneur, médaille et dodo. Au réveil, sera complètement seul, plein de cauchemars et plein de linceuls. Enfin, c'est certain. Quelle connerie, la guerre. Fantaisie, fantaisie militaire. Hier célébré, aujourd'hui banni, il crèvera dans le silence et dans l'oubli. Il croyait défendre des idéaux, se battre pour l'amour du drapeau. Tout le monde détourne le regard. Pas assez chic. Beaucoup trop ringard. Ah, c'est certain. Quelle connerie, la guerre. Fantaisie, fantaisie militaire. Born in the USA, en Israël, Gaza ou ailleurs, même ritournelle. Ils se nourrissent du sang de nos gosses. Une main sur le cœur, l'autre sur la crosse. Ils, politiciens et journalistes, experts en tous les genres, arrivistes. Ah, c'est certain. Quelle connerie, la guerre. Fantaisie, fantaisie militaire. Bon, mais merci beaucoup, Didier, voilà, mon cher Nico. Pour ta chronique. En tout cas, on te souhaite de te reposer, de t'éloigner des réseaux ce week-end tranquillement. Tu es assez chevronné maintenant, tu es un routard maintenant, vieux routard. Voilà, non, mais je pense que de temps en temps, tu vois, il faut se faire un petit pas de côté, ne pas participer à l'hystérie collective, parce qu'il arrive un moment, comme je le disais, où la parole n'est plus entendue. Elle résonne dans le vide, tu vois, et on est comme ça à essayer de prêcher dans un désert, et comme ni toi ni moi n'avons de vocation à devenir des imams, des rabbins ou papes, prêcher dans un désert. Ni des hommes politiques, enfin, ni moins par marbre, ni des hommes politiques. Non. Moi, j'ai un peu essayé, mais c'est le pire endroit pour faire de la politique et changer la société. Et j'ai un peu d'expérience en la matière, tu le sais, c'est les partis politiques. C'est assez terrible, terrible. En tout cas, moi, je te souhaite un excellent week-end de détente, de sérénité avec tes proches, ta famille, en tout cas. On va se détendre tranquillement. En tout cas, merci à tous. Merci, cher Didier. Je te souhaite un excellent week-end. Merci à tous d'avoir... Salut à tous.